Vous rêvez de surmonter en fait toutes ces critiques, tous ces jugements, tout ce qui peut vous être dit et qui vous atteint. Vous aimeriez bien que ça ne vous atteigne pas, mais vous n'y pouvez rien pour l'instant. Vous aimeriez vous booster de l'intérieur, avoir cette force qui vous permet de vous détacher de tout ce que vous entendez. Pour l'instant, c'est pas le cas. Alors je vous donne une astuce, voire même deux. Vous allez rester jusqu'au bout et vous allez être surpris avec la deuxième, parce que c'est tout à fait possible justement d'utiliser le jugement de l'autre pour gagner en confiance en soi. Bonjour, je m'appelle Valérie Sauvage. Si vous ne me connaissez pas, eh bien je suis coach. J'accompagne les particuliers, les professionnels qui ont envie de plus d'épanouissement et de réussir finalement à se dessiner une vie sans limites, sans écouter leurs peurs ou leur entourage et à écouter leurs rêves, leurs aspirations profondes. Si vous vous retrouvez dans cette description, eh bien je vous invite à me suivre, à vous abonner, c'est totalement gratuit, c'est le petit bouton rouge juste là. Et également à activer la cloche parce que ça vous permet de ne rien manquer. Alors j'ai à cœur de vraiment répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser et puis justement à interagir vraiment directement, donc une fois sur deux dans la semaine. La vidéo est consacrée à une réponse que vous vous posez et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on me dit « oui mais j'aimerais être heureux, je suis en train de construire des choses formidables, sauf que le jugement de l'autre me freine encore et m'empêche d'avoir vraiment confiance en mes rêves, en mes aspirations, je doute, je remets en question mes objectifs. » Alors si c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé ou qui vous arrive parfois, ça va être important que vous restiez jusqu'au bout parce que je vais vous donner une astuce qui va vraiment vous surprendre en cours de vidéo, en plus de celle autour de laquelle je vais un petit peu plus rentrer dans le vif du sujet. Donc c'est important de se dire que on sera tous et on est tous très sensibles au fait d'obtenir un aval, une validation, un jugement positif de la part de quelqu'un à l'extérieur. Et on peut avoir confiance en soi, on peut être empli d'assurance, avoir une certaine expertise. C'est intéressant de rester toujours en connexion avec l'accueil qui est fait à ce qu'on propose, à ce qu'on est, à ce qu'on livre, à ce qu'on offre. Parce que si on est toujours dans cette bulle, on dit non mais moi je suis tellement sûre de moi que j'ai pas du tout besoin qu'on me dise si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est la bonne voie, si c'est pas la bonne voie. Parce que clairement, là, on n'est plus dans l'interaction avec l'autre et c'est même dangereux parce qu'on peut passer à côté de remarques extrêmement constructives, d'idées qu'on n'a pas eues et qu'on rejette parce qu'on est dans cet état d'esprit dans lequel on pense tout savoir mieux que tout le monde. Et là, c'est vraiment dommage parce que c'est la bascule justement que beaucoup souhaitent éviter, c'est-à-dire que quand on travaille sa confiance en soi, beaucoup de mes clients moi me disent « ah non mais moi je veux pas devenir prétentieuse ». Justement c'est pas l'idée, c'est justement d'avoir suffisamment confiance en vous pour vous épanouir, pour aller vers vos rêves, pour atteindre vos objectifs, parce que vous savez aller chercher en vous ce qu'il faut pour ça, mais ne pas vous isoler du jugement de l'autre. Ne pas prendre le jugement de l'autre comme une telle menace que vous le mettez vraiment en dehors de votre vie sans même vouloir l'écouter, voire vous couper la personne qui commence à vous donner son avis. Et ça, c'est important de se dire ça parce que travailler ce rapport au jugement de l'autre, c'est important quand il nous fait du mal, quand il nous abîme, quand il nous prive de nos rêves et de nos objectifs, quand il nous fait nous remettre tellement en question que ça nous invite et nous incite et nous force même à l'inaction. Et là, c'est un problème. Parce que quand on n'a pas confiance en soi, on fait des fois plus confiance à l'autre qu'à notre petite voix intérieure positive. Parce qu'on a une petite voix intérieure qui nous parle, qui nous dit « Non mais ça, tu penses que tu vas y arriver. Ça, non, c'est pas pour toi. Ça, t'es pas assez ceci. Ça, t'es trop cela. » Et faites attention à cette petite voix, qu'elle reste vraiment bienveillante et qu'elle soit dans le soutien. Parce que dès qu'elle est sur le dénigrement, sur le sabotage, elle peut tout aussi bien, tout autant que les autres, voire même plus efficacement, eh bien vous priver de vos rêves et vous faire rebrousser chemin avant même d'avoir essayé. Donc c'est important de se dire que transformer sa vie, transformer sa personne, transformer le niveau peut-être de succès que l'on a, ça passe par la confiance en ses objectifs, la confiance en ses rêves, la connexion vraiment entre ses aspirations et ses valeurs et puis ses compétences. Et c'est comme ça qu'on va réussir à avancer. Mais si le jugement de l'autre ou votre propre jugement intérieur eh bien, vient ruiner toute votre envie, tout votre enthousiasme et votre optimisme, eh bien, vous n'y arriverez pas. Vous ne passerez pas à l'action, vous passerez peut-être d'un rêve à l'autre jusqu'à attendre qu'un soit validé. Mais aucun ne sera validé à 100%. Il y aura toujours quelqu'un qui viendra vous dire que c'est pas pour vous, ça va être trop difficile, qu'il y a trop de concurrence. C'est quelque chose que vous allez entendre tellement souvent que vous n'aurez plus jamais le moindre rêve qui pourra s'épanouir. Donc pour surmonter la peur du jugement de l'autre, c'est important de se faire confiance à soi, d'observer et d'être fier de ses victoires et de se rendre compte de tout ce que vous avez déjà accompli. Pour vous montrer que vous savez faire, vous savez passer d'un état de incompétent dans un domaine à compétent dans ce même domaine en travaillant, en observant, en vous enrichissant de l'expérience des autres. Et même si vous n'avez pas ce qu'il faut pour l'instant, vous allez y arriver parce que vous savez que vous l'avez déjà fait. Et si c'est la première fois, vous prenez un objectif qui n'est pas trop ambitieux, pas trop effrayant, pas trop compliqué à atteindre, de manière justement à augmenter
cette conscience de compétence à évoluer, à grandir, à vous développer. Parce que ça va vous faire des victoires qui vont s'accumuler, qui vont nourrir votre confiance en vous. Et ce jugement de l'autre, il vient tester votre envie, votre réelle aspiration. Si vous abandonnez tout le temps, c'est où que vous faites trop confiance aux autres et pas du tout à vous, ou alors que vos objectifs, finalement, ils sont pas si importants que ça pour vous, puisque vous êtes capable de les abandonner sur le bas-côté, comme ça, sans grand ménagement. Donc c'est important de se dire qu'il faut commencer par s'accepter soi-même pour se rendre compte qu'on est capable d'accomplir un certain nombre de choses. On a en nous des ressources aidantes, des ressources qui vont vous permettre d'aller vers vos rêves, vers vos objectifs. Et c'est pas le moment, c'est pas l'idée de se comparer aux autres. L'idée, c'est vraiment de se dire, par rapport à ce que j'ai envie de faire, est-ce que je peux fournir les efforts, est-ce que je peux acquérir les compétences, est-ce que je peux rentrer dans cet univers et puis être heureux dans cette sphère-là, avec ce nouvel objectif. Et là, vous allez pouvoir ajuster vos efforts parce que vous allez faire la balance entre les efforts à fournir et puis les objectifs que vous rêvez d'atteindre. Et si vous vous comparez à ce que les autres ont déjà fait, vous dites mais j'arrive trop tard, mais ils sont plus doués. Et attention, vous comparez au niveau qu'ils ont maintenant. Vous n'avez pas vu le niveau qu'ils avaient avant. Que ce soit en sport, que ce soit en entrepreneuriat, que ce soit en langue, etc. Il y a un niveau de progression qui est nécessaire. Et tout le monde a fait ce chemin-là. C'est juste que si vous constatez qu'une personne est déjà au stade que vous rêvez d'atteindre et vous vous dites mais moi, je suis pas là, mais bah, devenez-le, passez à ce niveau-là, devenez cet expert que vous rêvez de devenir sans procrastiner, sans vous dire non mais je dois être absolument expert pour oser me lancer. Attention à ce syndrome de l'imposteur chez les personnes qui veulent être expertes à un tel point qu'elles ne passent jamais à l'action. Mais ça, c'est très important de vous dire voilà, je me fais confiance, j'écoute mes rêves. J'ai un peu digressé là, je suis rentrée très longuement dans le sujet, mais parce que quand je réponds à ce type de question, je vois vraiment dans le regard des personnes qui me posent cette question tellement de doutes, tellement de peur, tellement plus de foi en ce que disent les autres qu'en ce qu'ils se répètent et ce dont ils aimeraient se convaincre, que j'ai vraiment envie d'insister sur ce point. Faites-vous confiance, s'il vous plaît, et écoutez vos rêves, laissez-les exister, briller, vibrer en vous. Ensuite, un point important, c'est que quand vous ressentez, vous vivez, vous expérimentez le jugement de l'autre et qu'il n'est pas confortable, qu'il n'est pas constructif, qu'il vous dénigre, qu'il vous atteint, que c'est une critique ouverte qui se fait en public ou même juste en face de vous, eh bien vous allez voir que vous allez avoir un flot d'émotions qui va monter. Ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, ça peut être un ensemble des deux. Et quel que soit le sentiment, l'émotion qui fait surface, vous allez voir que ça va grandement vous aider d'observer comme si vous étiez un laborantin à regarder dans son microscope ce qui est en train de se passer. Dites-vous, waouh, qu'est-ce que je suis en train de ressentir là? Là, je suis en colère. Pourquoi? Je suis en colère parce qu'en fait, j'ai un rêve qu'il est important pour moi et que la personne en face, elle se rend compte ou pas, mais en tout cas, elle est en train de me dire quelque chose qui pourrait me priver de ce rêve si je l'écoutais. Si je lui faisais plus confiance à elle qu'à moi, je pourrais passer à côté de cet objectif. Et donc, c'est légitime, logique que ça fasse jaillir en moi quelque chose, une émotion parce que cette personne elle compte pour moi, ou parce que cette personne je lui fais confiance, ou parce que cette personne je l'admire et elle me dit hey, stop, c'est pas pour toi. Donc observez cette émotion, regardez, demandez-vous si vous pensez que cette personne elle est légitime pour poser un point final à votre rêve, à votre envie, à votre aventure, ou si vous n'avez pas envie d'essayer quand même, d'aller chercher au fond de vous tellement de force, tellement de résilience parfois, tellement de courage, tellement de détermination que vous allez montrer au reste du monde, mais aussi à vous-même, que vous en êtes tout à fait capable. Parce que parfois, c'est quand vous avez enfin cette idée, ce rêve qui fait sens, que vous allez déployer quelque chose que vous n'avez jamais utilisé et les gens en face de vous ne peuvent pas deviner ce qui sommeille en vous si vous ne l'avez jamais manifesté. Donc c'est important de se dire, j'observe l'émotion. Si c'est de la tristesse parce que vous aimeriez parfois que les gens vous soutiennent, n'attendez pas trop des autres. Qu'ils soient vos fans, vos supporters fidèles. Ils sont dans leur vie, ils ont leurs problématiques, leurs sujets, leurs inquiétudes. Et si vous allez sur quelque chose qui vous fait perdre en sécurité ou qui les fait perdre en sécurité, ça va être un réflexe de chercher à vous décourager. Ils vont peut-être même pas s'en rendre compte. Ils vont peut-être même penser qu'ils sont en train de vous rendre service. En vous mettant en garde, en vous indiquant quels sont les dangers, où est la concurrence, que vous risquez de perdre. En fait, ils pensent vous rendre service. Et donc, c'est le moment de vous dire, bon, j'entends, j'avais peut-être pas pensé à tout ça, mais quelle solution je peux trouver si effectivement, un de ces dangers survient dans ma vie quand je suis sur le cheminement qui mène à mon objectif. Parce que quand on est préparé, quand on a anticipé, en fait, si ça arrive, on le gère beaucoup plus facilement. Quand c'est une grosse surprise, y a l'émotion qui, encore une fois, surgit, on perd un peu ses moyens et on n'est pas prêt. Mais dites merci, en fait, à la personne de vous donner son point de vue. Dites-lui aussi quand ça vous heurte. Osez lui dire, osez verbaliser ce qui se passe à l'intérieur en disant, tu sais, quand tu me dis que je ne suis pas capable, en fait, je me sens attristée parce que ce que j'attends de mon meilleur ami, ce que j'attends de ma maman, ce que j'attends de mon conjoint, c'est du soutien.
c'est qu'ils se rendent compte qu'en moi, j'ai cette capacité vraiment d'apprendre des choses qui pour l'instant ne sont pas innées. C'est de développer des capacités parce que je l'ai déjà fait et parce que c'est important. Parce que la tentation pourrait être de vouloir se couper de ces personnes, de plus les voir, et elles pourraient ne pas comprendre parce qu'elles ont voulu vous rendre service. Mais c'est un entraînement que d'oser leur dire « je te remercie pour ton point de vue ». Ça produit un certain effet en moi. C'est pas celui que j'aurais attendu, mais c'est important aussi, effectivement, qu'on évoque les aspects un peu plus sombres, les dangers, et j'y ai pensé. Peut-être pas à tous, mais ces points-là, j'y ai pensé, j'ai des solutions, et je vais quand même y aller. Parce que pour moi, c'est important. Et là, à partir du moment où vous travaillez bien ces deux points, où vous savez reconnaître qui sommeille en vous toute cette capacité d'apprentissage, d'évolution que vous avez déjà prouvé ou que vous allez prouver, mais où vous avez foi en cette capacité intérieure en vous de faire appel à cette ressource, eh bien ça va vous aider. Et puis également d'aller chercher cette émotion et d'en faire une force pour vous apaiser. C'est un peu comme l'occasion d'attirer votre attention sur autre chose que sur ce qui est en train de se jouer. Vous plongez dans l'émotion, pas pour sombrer et aller vers la noirceur et vous faire peur tout seul, mais pour vous dire voilà, qu'est-ce qui se passe en moi? Pourquoi ça se passe? Parce que cette observation va vous permettre de faire un stop. Plutôt que l'émotion continue de grandir jusqu'à vous envahir, vous allez vraiment faire un arrêt sur image. Et l'émotion, elle va se sentir comprise. C'est peut-être étrange pour vous d'entendre ça, comme si je personnalisais, humanisais l'émotion. Mais l'émotion, elle vous rend un service énorme. Elle vous permet vraiment de vous rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur. Donc acceptez, accueillez vos émotions et puis transformez-les. J'espère que cette réponse longue, cette question simple, vous servira. En tout cas, je suis preneuse de toutes les questions que vous pouvez avoir. Je pense que c'est important qu'on puisse interagir comme ça, donc ça se passe en commentaire juste en dessous. Et surtout, ne partez pas sans avoir téléchargé juste en dessous le bonus gratuit qui vous aide à être beaucoup plus épanoui au quotidien. Toutes ces clés, tous ces déclics que j'ai eu à cœur de développer en vous. On se dit à très bientôt. Au plaisir, prenez soin de vous.